Ya que me te anuncié en la biografía útil, voy a te prometo que mi puta biografía Fátima Altieri pour nous et mes médias, c'est biographie Fátima Altieri que me pral présenter. Bonjour, bonsoir à tous les amis YouTube, moi, sur channel ou sur Betaïda. Je dis à mon petit une belle vidéo pour nous. Vidéo aujourd'hui, je me dis, non, commence pas vidéo, c'est biographie Fátima Altieri. Enjoy vidéo. Avant d'aller plus loin avec vidéo, ça m'a dit merci avec vous-même qui abonné à la chaîne là, ou même qui beaucoup abonné avec qui ça va tonne. M'a dit merci avec vous-même tout qui toujours like vidéo, ou même qui toujours quitte commentaire pour moi, ça vraiment fait plaisir. M'a dit merci avec vous-même tout qui toujours partage la chaîne là, vraiment en pile, merci. Dès que j'ai annoncé, j'ai dit que je n'ai pas fait de challenge quand même pour maintenant que chaque jour je vais une vidéo pour nous. Demain, si Dieu veut, je vais présenter un gros bouton ton artiste, un gros bouton ton rappeur dans le lycée Isolant. Isolant, je vais parler de lui, je vais dire est-ce qu'il est madame, est-ce qu'il est petit, qui ça lui a fait qu'on y a, qui côté Isolant sorti, pour lui faire côté lié, qui musique lui fait. Je vais dire tout le bagage de Isolant. Biographie ça que moi pour présenter hein, c'est une biographie qui vraiment gain fond mais li pas trop en pile. Fátima Génis Guirin Altieri André, fête 20 septembre 1993 en Haïti, plus précisément dans une zone Pétionville qui est le Peggyville. Mais c'est en Delma 91 que li passé yon pati nan vie enfance li. L'elle a 17 l'année, elle a décidé de participer dans Digicel Stars en but pour commencer sa carrière musicale. Depuis l'âge de 6 ans, Fátima a chanté, mais c'est dans l'église qui aurait l'église baptiste de Jovena. Après l'expérience dans Digicel Stars, elle a rencontré avec quelques producteur musique qui gagne une carrière solide dans Itumaïla, malgré les pas de champion, mais il était toujours poursuivre avec rêve. Dans l'année 2014, Fátima a pris Bert, Female Model of the World, dans Hollywood, dans WCOPA qui signifie World Championships of Performance Art, sur 54 pays qui étaient en fierté pour la République d'Haïti. Il était venu comprendre que les capacités pour briller de façon différente. Première façon, qui c'est la mode, et deuxième façon, qui c'est la musique. Mais depuis toute année qui était passée, il était toujours gay au rêve. Il était vraiment passionné de la mode et puis de musique. Sans pas oublier tout cinéma. Eh bien, il était tout profité, toute opportunité qu'il était joué sur route. Opportunité qu'il était plus joué, c'est sous forme de collaboration avec quelques artistes musicaux, tant que Zaptrap, Isolant, Wendy, Baki, Canis, Chichi, Christopher Laroche, Cruzla, Crayola et puis Trouble Boy. Pour te lever honneur, il était sorti quelques musiques solo, tant que Femme, dans l'année 2013, ou Abandonné en 2015. Sans pas oublier Destiné en 2016. Fátima, c'est un artiste très polyvalent. Parfois, il chante compas, zouk, soul, rap, mais surtout énergie collabo. Grâce à la performance li dans le festival 2018, organisateur Pap Jazz Haïti, il a vraiment grand attention sur Fátima. Alliance Française en Haïti, qui trouvait au Cap, a organisé une fête pour la musique. Eh bien, c'est la première fois Fátima a joué devant un public. Énorme concert qui te gagne environ 20 000 personnes là-dedans. Fátima, c'est une animatrice radio-télévisée. Elle te gagne propre émission sur Télé Éclair qui te les cultures la caille. Sans ne pas oublier l'ina partie sociale qui lui confère. Fátima, c'est une cofondatrice d'une organisation pour Timine depuis l'année 2015. Elle a participé participation par l'ina aide pour Timounio à l'école, bah, au manger, fait formation pour eux. Organisation ça a gagné environ 200 à 300 timon là-dedans. Fátima c'est un artiste qui sensible pour image li en pile, il y a pile monde qui apprécie artiste ça pour Jean-Gulivan personnalité li. Fátima c'est ambassadrice trois gros entreprises en Haïti qui c'est la Société Banque, l'Universal Motors et puis la Ainet SA. Il y a à peine publié premier opus li qui c'est inspiration li selon Ticket Magazine était nommé en 2018 l'artiste féminine variété.
Fatima est en studio pour travailler sur quelques projets. Fatima est fiancée avec Edouard, il est petit. Moi, j'ai eu la chance de présenter Fatima dans une vidéo que vous avez fait Marie avec Madame Artiste Haïtien. Je vais mettre le lien dans la description pour nous regarder fiancée Fatima. Après toute année ça yo, Fatima fait un grand grand exploit dans carrière. Fatima vraiment son artiste qui travaille avec inspiration, qui travaille avec détermination. Fatima c'est une artiste tout ou pas j'aime tant de li nan Melini lo, li te gen Cécile, li te gen la clot artiste. Par rapport à quelques autres artistes, image Fatima son image qui vraiment propre. Et bien c'est là mon mette fait dans vidéo ça jodi a, m'a dit merci avec moi qui pour partager ou même qui pour t'aime temps pour regarder vidéo ça. Ciao, on apprend dans l'autre vidéo. À la prochaine.